Merci. Harvey, est-ce que tu peux le croire? Mon ami Paul vient d'acheter un jet privé. Mec, j'aimerais pouvoir m'en offrir un. Vous ne vous en sortez pas mal aussi. Tu peux pas comprendre. Si j'avais aussi ce jet, mec, je serais bien plus heureux. Salut, désolé si je dérange. Salut. C'est la nouvelle Rolls-Royce? C'est la voiture de mes rêves. Oh ouais, ça l'est. Vous savez, si j'avais une voiture comme ça, je serais heureux. Au lieu de mon tas de ferraille. Vous êtes vraiment chanceux. Bref, je dois y aller. Mais merci de m'avoir parlé. Vous savez, Harvey, maintenant que j'y pense, je crois que je vais pas si mal. Je suppose qu'au final, la seule façon d'être heureux, c'est d'apprécier ce qu'on a déjà. C'est de la camelote. Je déteste cette voiture. Tout va bien? La voiture est en panne? Non, elle roule bien. J'en ai juste marre de ce truc. C'est pas une Rolls-Royce, pour sûr. Au moins, vous avez une voiture. Moi, je dois prendre le bus tous les jours. Vous savez, je serais tellement heureuse si j'en avais une. Désolée, mais je dois me dépêcher, sinon je vais rater le bus. Passez une bonne journée, monsieur. Ouais. J'ai sûrement de la chance d'avoir une voiture. Foutu bus. Je déteste prendre le bus. Hey, ça va? Oui, ça va, c'est juste que... je viens de rater mon bus, voilà. J'aurais tellement aimé avoir une voiture. Moi, je dois pédaler pendant 15 km pour rentrer chez moi parce que le bus, c'est trop cher. Oh, waouh, 15 km. Ça fait un long trajet à vélo. Oh oui. J'aimerais prendre le bus de temps en temps. Écoutez, je dois y aller, mais... courage. Peut-être que le bus, c'est pas si mal que ça, finalement. Non, je déteste ce vélo. J'en ai assez d'être obligé de pédaler tous les jours. Hey, est-ce que tout va bien? Oui, j'aimerais juste... pouvoir prendre le bus. Mes jambes sont mortes. Eh bien, pensez-y différemment. Au moins, vos jambes fonctionnent. C'est une vraie chance que vous avez. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolé de ce que j'ai dit. J'ai pas réfléchi avant de parler. C'est pas grave. Je suis heureuse de ma vie et de mes moyens. Même si je ne peux pas utiliser mes jambes. Si vous me permettez, comment vous faites pour être aussi heureuse? Eh bien, pendant longtemps, j'étais triste de ne pas pouvoir marcher. Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un un jour qui m'a rappelé qu'au moins j'ai des bras. Alors ce qu'on dit est bien vrai. La seule façon d'être heureux est d'apprécier ce que l'on a. Merci. Bonne journée.